Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Renato Sanchez au Barça. Mais avant de parler de Sanchez qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Mais le mec, on est parti pour parler de Sanchez au Barça. Alors que le FC Barcelone s'intéresse à Renato Sanchez, le Milan AC surveillerait également de très près la situation du milieu de terrain du LOSC, mais le club italien ferait face à de nombreuses difficultés dans les négociations avec le Portugais. Le Barça a toujours Renato Sanchez dans son coin de sa tête. Au début du mois de janvier, le Barça avait d'abord pensé à passer à l'offensive lors du mercato hivernal pour le Portugais, mais les Blaugrana n'ont pas réussi à finaliser un transfert cet hiver, de quoi enrager les affaires du Milan AC qui apprécierait grandement le profil de Sanchez, mais le club lombard aurait encore beaucoup de travail avant d'arriver à ses fins dans ce dossier. D'après les dernières informations, le Barça sera en tête dans le dossier Renato Sanchez, mais selon les informations du journaliste Rudy Galetti, partagé sur Twitter, le Milan AC pourrait recruter Renato Sanchez en proposant près de 20 millions d'euros au LOSC. Cependant, les Rossoneri rencontreraient de nombreux obstacles dans les négociations avec le Portugais. L'entourage de ce dernier réclamerait, entre autres, un salaire annuel de 6 millions d'euros net et l'inclusion d'une clause libératoire dans son contrat en cas d'offre de club de première ligue. De plus, des commissions importantes devraient être versées en cas de transfert. Par conséquent, le Milan AC devrait poursuivre les discussions avec l'agent de Renato Sanchez qui n'est tout autre que Jorge Mendes. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Renato Sanchez au Barça est vraiment une bonne idée? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est le plus important. Je compte sur vous, j'en vous dis à la prochaine et salut.